Salut à tous et à toutes, c'est Bioxlobby. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans Minecraft. Comment faire un... Oh le bug... Bug de shader. Comment faire un détecteur de lumière automatique. Donc comme celui-là, vous allez voir, la lumière va pas tarder à s'allumer. Donc il commence à faire nuit, donc elle va s'allumer. Donc écoutez, on va se poser là. On va attendre qu'elle s'allume. Mais je sais pas dans combien de temps... Ouais, en fait, c'est quand la lune sera au-dessus. Bah voilà, ça vient juste de s'allumer. Donc, voilà, donc on va passer immédiatement au tutoriel pour voir comment ça fonctionne. On se retrouve donc pour le tutoriel de la vidéo. Donc, on va commencer par faire une petite maison toute simple comme celle d'en face. Donc, vous commencez tout simplement par faire une petite maison. Donc, vous pouvez le faire sur votre maison, donc ça marche comme ça marche sur la nouvelle. Donc en plus ça demande pas énormément de ressources, donc c'est vraiment pas mal pour faire des économies d'énergie. Non, c'est vraiment pas mal pour la survie en fait, comme ça vous avez pas à chaque fois à soit l'allumer toute la journée ou alors voilà. Vous avez compris. Donc voilà, ensuite vous faites directement un toit comme ça. On fait un petit toit vite fait. Et donc après de la longueur vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais par exemple admettons bref on s'en fout. Vous faites comme ça, vous mettez une redstone, un bloc et la torche. Donc vous verrez, elle sera éteinte. Donc ensuite vous faites ce que vous voulez, vous en mettez autant que vous voulez. Donc on va en mettre ce nombre là. Mais je sais pas si ça va marcher en fait. Je sais pas si comme ça. Ah si ça va marcher. Voilà, donc c'est fini. Alors écoutez, je vous propose, j'avais mis combien, 13 000, peut-être. Ok, donc 14 000, voilà. Et voilà, bah voilà, vous venez de voir, ça vient de s'allumer. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce vert, de commenter et d'ajouter la vidéo favori. A plus tout le monde.